vas bien. C'est un peu du champagne sailing, des conditions sympas. Si ce n'était pas pour un métier compliqué, mais je profite des gens comme ça, c'est vraiment chouette. Chaque fois, je me fais avoir par la vague. Donc je rentre à l'intérieur. Oui, tu vas bien. C'est cool, j'ai retrouvé un copain ce matin. Donc j'ai un pied à papa, Johan Richomme, qui est juste derrière au vent. C'est bien parce que je me sentais un peu tout seul avant. Donc là, c'est cool. C'est toujours aussi compliqué. On a des conditions qui ne sont pas vraiment comme prévu. Du coup, j'essaie de continuer de juste avancer le plus vite que possible, à peu près dans la direction que je pense le mieux. En travaillant le métier, bien sûr. Là, ce matin, j'ai fait un petit check sur le pont. Quand ça a calmé un petit peu, je suis allée devant contrôler les armures, surtout la mur du Giseo, parce que souvent j'ai de la usure sur cette voile-là. Tu vas bien. Donc je contrôlais un peu partout. Je ne sais même pas quel jour c'est. Je pensais que c'était samedi, mais je pense qu'il est peut-être dimanche. Donc ça fait quelques jours qu'on est en mer quand même, donc c'est bien d'être tout contrôlé, même si les conditions étaient plutôt cool. Donc voilà, maintenant j'ai faim. Donc je vais vous envoyer ce petit vidéo et je vais faire à manger. Je sais pas ce qu'il y a sur le menu, il me reste des fruits frais. Il reste du pain, du fromage qui n'a goût de rien. Et je vais peut-être faire un petit sandwich et peut-être des pâtes aussi. À bientôt.